Salut tout le monde, c'est Lord. Alors avant de commencer, déjà je voulais vous dire merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour tout ça. Alors je vous dis merci. Et aussi, je me suis rendu compte que je disais beaucoup trop de fois, voilà, vous l'avez vous-même constaté. Alors maintenant, je vais m'auto-défier et je ne devrais à aucun moment de toute cette vidéo dire voilà une seule fois. Donc c'est parti. Alors, donc le sujet, c'est les hypothèses qui pourraient mettre dans le 2 ou après. Les hypothèses des pouvoirs, enfin d'où vient le pouvoir d'Elsa. En fait, d'où il vient, comment elle l'a eu, par qui, enfin des hypothèses qui pourraient faire un scénario pour le 2 aussi. Donc, on va commencer par la première hypothèse, ma première hypothèse. Donc, le pouvoir pourrait venir de sa grand-mère. Sa grand-mère, en fait, du coup, elle aurait eu le pouvoir quand elle était petite et elle l'aurait caché à sa fille. Vu qu'elle l'avait pas, donc du coup elle l'aurait caché et ça a sauté une génération. Donc Elsa l'a eu mais pas sa mère, et sa mère n'en savait rien. Mais sa grand-mère l'avait, elle n'a jamais parlé à sa mère parce qu'elle n'avait pas le pouvoir. Du coup elle croyait qu'elle allait lui faire peur ou qu'elle allait pas être apte, enfin je sais pas trop quoi. Mais en tout cas elle lui en aurait pas parlé et du coup sa mère serait pas au courant. Mais ça pourrait venir de sa grand-mère. Et Elsa pourrait partir à la recherche de sa grand-mère. Qui sera encore vivante, vu que ses parents sont morts assez jeunes, du coup la grand-mère pourrait être encore vivante. Elle pourrait partir à sa recherche, et ça pourrait faire une aventure, et pourrait voyager, et donc du coup sortir d'Arendelle. Ce qui serait un point positif, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo. Donc, ensuite, ça pourrait être une fille adoptée, parce que les deux parents sont bruns roux, et Anna est rousse, elle est blonde platine, bon c'est à cause de son pouvoir, mais elle pourrait très bien être adoptée. Par exemple, ils étaient un jour dans un voyage, et ils l'ont découvert, et ça pourrait être en fait la fille d'un grand guerrier, d'un dieu ou d'une sorte de roi d'un ancien monde au fin fond des montagnes ou des plaines, enfin vous imaginez le truc, genre... Elsa, je t'attendais depuis si longtemps, le jour de ta naissance, même le haut des pics tourmentés ont murmuré ton nom. Donc ce serait super que ce soit une fille d'un grand guerrier, parce que ça pourrait, qui serait son père en fait, ou sa mère, ça dépend, femme ou homme, peu importe. Ce serait sa fille, elle partirait sur ses traces pour le chercher, pour le découvrir, et il y aurait encore une histoire où avec peut-être un peu d'aventure là, et on sortirait d'Arendelle encore une fois. Du coup, super scénario aussi pour le 2. Donc, ensuite, ça pourrait être aussi une manipulation génétique, un peu comme dans X-Men. En fait, ça aurait été un test un peu scientifique pour savoir si ça marchait. Et il y aurait aussi d'autres tests sur d'autres personnes. Du coup, il y aurait d'autres personnes qui auraient le même pouvoir qu'elle, ou d'autres pouvoirs avec d'autres éléments ou d'autres pouvoirs un peu surnaturels. Du coup, elle pourrait les rencontrer, ces gens-là. Et ces gens-là qui seraient contrôlés par un grand méchant qui aurait une grande armée. Et donc, du coup, il y aurait des grandes batailles, des explosions, des bombes nucléaires, comme on les aime. Voilà. Et... du coup, ce serait pas mal parce que ça serait une histoire d'amour aussi entre les gens qui ont le même pouvoir. Des trucs comme ça, ce serait pas mal. Ce serait un bon truc à exploiter pour le 2. Enfin bref, pour ne pas dire le mot tabou. Ensuite, Elsa, ce serait une élue. Une élue par je sais pas, par un dieu ou quelque chose comme ça. Il y aurait plusieurs élus, bah, par exemple un pour chaque élément, on va dire. C'est un peu classique, mais bon. En gros, un élu de chaque élément qui devrait se retrouver. Il devrait être ou des éléments, pas forcément les éléments, mais des élus avec des pouvoirs un petit peu comme elle ou autre chose. Ils devraient tous se retrouver à un moment pour sauver le monde d'une menace, un petit peu comme les Avengers qui vont se retrouver pour combattre une menace. Et donc ce serait pas mal. Et en plus, il pourrait y avoir une histoire d'amour, il pourrait y avoir de l'amitié, ça pourrait voyager beaucoup, il y aurait du combat. Ça réunirait tous les éléments qui seraient bien pour un 2, ça serait pas mal du tout. Donc c'est la fin de ces petites hypothèses que j'avais en tête. Donc avant de se quitter, je voulais vous demander, vu que Prince avait une couronne, Princesse avait un diadème, et du coup ils ont chacun un symbole, et moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, enfin ce que vous pensez qui mérite bien comme symbole. Parce que je pense qu'au bout d'un moment je devrais sûrement apparaître dans une vidéo, me voir en vrai, et plus dans ces enregistrements. Alors j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui mérite bien comme symbole, je sais pas, un couvre-chef, une arme, surtout une arme, j'adore les armes. Un truc pas mal, un truc que je puisse porter, qui soit bien propre à moi et qu'on puisse me reconnaître. J'aimerais avoir vos avis, que vous me dites ce que vous pensez et ce que vous aimeriez que j'ai comme symbole. Et bon, likez vos commentaires entre vous pour un petit peu vous départager. Et du coup,
Voilà! Gérard Depardieu, c'était mon voilà final. Alors maintenant, je peux pas me lâcher. Et je peux enfin dire voilà. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai fini. Alors on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous. Enfin voilà, vous connaissez le système. Sur ce, voilà, et je vous laisse. Au revoir!